Dominos m'ont contacté hein, en me disant euh, est-ce qu'on peut utiliser l'extrait le, de Squeezie pour le mettre sur nos réseaux sociaux parce que ça nous fait marrer et tout et j'ai dit en échange je voudrais une... Une, une première question sur ce choix de nom mid c'est quoi c'est middle c'est moyen c'est euh, de se dire que <laughs> on est euh, on est ni trop bas ni trop haut on, on est Quentin, ben, quoi non justement justement mid en fait c'est euh, un prénom c'est un prénom euh, islandais. OK. Euh, qui était le second prénom de mon grand-père. Donc okay. en fait, je, je, moi je le trouvais, je l'ai toujours trouvé fun et bizarre. Euh, ça a toujours été un peu un mystère dans ma famille et donc euh, c'est devenu mon nom parce que quand on un des premiers trucs qu'on fait quand on exporte un MP3 de son ordi et qu'on veut être artiste, il faut trouver un nom. Oui. On va pas appeler euh, démo.mp3 euh, 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 toute sa vie on cherche un nom ça peut être un nom d'artiste et démo.mp3 oui. ok celui-là on, on vous le donne ça c'est un <laughs> Con conseil DA de, de Mathieu <laughs> <Ouais>. le prochain <laughs> on écoute tout de suite le nouveau hit de demomp 3 <laughs> <laughs> ce, ce serait assez excellent. il ben y a un concept. Mais non non donc euh, donc voilà moi c'était c'est mon nom j'aimais bien j'aime bien comment ça sonne j'aime bien comment ça, ça s'écrit et en fait quand tu prends un nom tu sais jamais jusqu'où ça va t'emmener quoi donc euh, moi c'est Mid et puis euh... et je t'avoue qu'aujourd'hui les gens m'appellent plus Mid que Quentin en fait Quentin c'est plus quand on veut m'engueuler tu vois quand on quand je reçois un truc qui commence par Quentin que ce soit un mail un SMS. Tu sais que ça part mal. Je sais que c'est. Quentin, il faut qu'on parle de quelque chose. <laughs> voilà. ça, ça te remet dans une posture. Euh... C'est juste qu'on veut recentrer le truc sur quelque chose de sérieux. Mais non, non, donc euh, Mid, c'est mon nom. quoi. C'est un nom qui a été ensuite mixé avec trois autres noms pour euh, créer un collectif qui s'est appelé Club Cheval. Ouais qui n'a pas disparu d'ailleurs. Euh, euh, bah, le, le groupe en lui-même, on est vraiment en stand-by depuis quelques années. Quoi, depuis oui, mais presque, ça, rien ne euh, dit que ça ne reviendra pas. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on est toujours potes. Hein, Il n'est es pas vois. fermé le truc, voilà, c'est ça. Quand on a vécu une aventure ensemble qui est aussi... Euh, forte. Forte, excitante. Euh, euh, on a vraiment vé vécu pendant six ans, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, à faire un album, euh, puis à faire une grosse, grosse tournée. Donc en fait, euh, non, non, on est, on est liés pour la vie, quoi. On est comme des frères. Maintenant, euh, comme euh, des fois, si tu passes beaucoup de temps les uns avec les autres, à un moment, tu as besoin de ta, de, de ta liberté. Si je me trompe pas, ça a commencé en 2008. De 2008 à 2011, tu as fait des études son dans une école de ciné qui s'appelait la Fémis. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là-bas que du coup, tu as rencontré les trois garçons avec qui tu as monté Club Cheval. Ouais, je les ai rencontrés à Lille, mais euh, tout ça, c'est la même époque. quoi. Ouais. Alors avant d'arriver à Club Cheval, on va repartir même de plus bas dans la ouais. base. Ouais, on va essayer de comprendre un peu l'enfance de à Lille de Quentin. Ouais. Comment ça s'est passé Comment tu as grandi Je sais que tu n'avais pas une bonne estime de toi. Tu as dit dans une interview, si le loser que j'étais à 14 ans voyait ce musicien qui remplit la cigale, il n'en reviendrait pas. Ça veut quand même dire que quand tu étais ado... Tu vous voyez un peu perdu au milieu de l'île, quoi. Bien sûr, euh, même pire que l'île. Euh, non, pas pire, parce que l'île, c'est une ville excellente. Est très belle. Euh, très belle ville. Mais euh, non, j'étais à Villeneuve d'Ascq, exactement. Okay. Qui est une petite ville à côté de l'île, avec euh, un bois, un lac, euh, des pavillons. Et donc, euh, j'habitais euh, dans un de ces pavillons. Et non, euh, comme tout ado, en effet, on se... On est toujours un peu perdu, euh, on se pose un milliard de questions. Euh, moi, en effet, j'étais, euh, euh, ce qu'on peut appeler un geek. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu vois, à l'époque, il y avait un ordinateur dans le salon. Chacun n'avait, on n'avait pas tous nos laptops comme maintenant, ouais. ou nos iPads, ou nos smartphones. Il y avait un gros ordi dans le salon, qui était avec les le... gros écrans. Et... gros écran, tour, lecteur de CD, même pas lecteur de DVD. Lecteur de disquettes lecteur de disquette ouais ouais c'est vrai qu'il le mien vers lecteur de disquette et bref cet ordi au bout de quelques années je le rapatrie dans ma chambre et en fait euh, ça devient euh, ça devient mon meilleur pote euh, et surtout euh, je découvre internet avec euh, le fait de pouvoir télécharger de la musique illégalement à l'époque uniquement ouais. Euh, et euh, je découvre aussi que j'ai envie de faire de la musique. Donc je me mets avec cet ordi, ça devient mon instrument. Quoi. Comme si j'avais euh, eu un piano dans ma chambre, bah, là c'était pas un piano, c'était un ordi, Donc euh, c'était la musique électronique. Donc t'étais pas euh, l'ado qui foutait, euh, euh, pas le bordel en cours, mais en tout cas qui était rigolo, qui faisait rire le copain, qui était euh, séducteur, euh... qui était euh, étais plutôt discret. <laughs> J'étais plutôt discret. discret. Est-ce que c'est ce, cette, cette liberté de téléchargement de musique qui t'a permis de construire ta culture musicale. T'as raison, t'as raison. Je, je m'étais jamais vraiment euh, dit que ça avait un lien, mais c'est sûr que quand euh, tu découvres à 14 ans que à l'époque ça s'appelait Napster. Ouais. Il euh, y avait Napster, il y avait Casa, il y avait mule ouais. euh, qui était des. En fait, euh, et il y avait aussi un autre site qui s'appelait Soulseek. En fait, euh, Napster, pour faire simple, c'est assez marrant de, de s'en souvenir. Tu tapes le nom du morceau, tu le télécharges. Le premier Napster, faut savoir que pour télécharger un morceau, ça pouvait prendre une demi-journée, quoi. <laughs> Je ne mens pas. Et donc, Napster, euh, si jamais le téléchargement s'arrêtait en cours, tu devais recommencer. À oui, faire. il fallait repartir à zéro. Quel enfer. <laughs> et des fois, tu téléchargeais un morceau, c'était une vieille version ripée de je ne sais pas quoi. Tu étais deg, parce que tu avais passé une, une demi-journée à télécharger et tu n'avais pas internet illimité. Tu internet. Oui. Euh, tu avais genre 50 heures par mois. Ouais, ou voilà. Voilà. ouais, ah ouais, ouais 50 fou. heures. Je sais pas, j'aimerais bien savoir combien. Aujourd'hui, on passe de temps là, sur internet, mais c'est genre. Astronomique. Infini. Bien sûr. Et puis parfois tu téléchargeais un morceau et puis t'avais plutôt des gens qui faisaient l'amour. C'est euh... <laughs> ça. C'est exactement. <laughs> non, mais c'est vrai. C'est trop mignon. Qui faisait l'amour. <laughs> Mathieu qui. <laughs> j'ai regardé un film, les gens faisaient l'amour. <laughs> non, mais bah, pour, pour le dire d'une manière plus sais. crue, c'est. Parfois tu téléchargeais un truc, tu te retrouvais avec un vieux porno dégueulasse. Vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, et, et donc, bref, tout ça pour dire, après j'ai eu Internet illimité, la DSL. Mm -hmm. Qui était proposé par AOL à l'époque, qui est une société qui n'existe plus. Euh, et en fait, il euh, bah, y avait une Napster, ensuite il y a eu Casa, ouais. et en fait, il y a eu une, une sorte de démocratisation du fait de pouvoir télécharger de la musique sur Internet. Et il y a eu surtout SoulSic, où en fait, SoulSic, la différence, c'est que tu vas sur le, sur la, chez, dans la discographie de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est-à-dire que. Tu vas chercher un morceau, tu vas chercher un album et tu vas pouvoir remonter. Lui, il a classé ses morceaux et en fait, tu vas pouvoir rentrer dans sa discographie, donc découvrir des nouveaux trucs. En électro, tu vas découvrir des mixtapes, des mix, euh, des DJ mix, tu vois, euh, des compilations. Euh, et en fait, c'est comme ça que petit à petit, moi, je, je me suis mis à écouter énormément de musique euh, et à vouloir en faire aussi. donc euh, Parallèlement à ça, euh, je demande à Noël euh, des platines vinyles et euh, toutes les semaines, je vais acheter des vinyles euh, au magasin de musique électronique de Lille qui s'appelle... Euh qui s'appelait USA Import, qui était euh, le magasin de vinyle Donc, euh, t'imagines déjà que ça paraît fou. Enfin, il y, en y en a de moins en moins. Il y en a encore hein, des disques assez excellents. Mais à Lille, il y avait un gros, gros magasin euh, de, de musique électronique. Euh, et en fait, bah, t'allais acheter des vinyles, t'allais diguer, t'allais écouter. Moi, comme t'es jeune, que t'as pas de thune, moi, j'achetais un disque par semaine et j'en achetais un la semaine d'après et j'essayais d'enchaîner les deux pour apprendre à mixer. Donc tu as commencé, ton, ta première mixtape, elle faisait 6 minutes. Ouais, c'est un, euh, un peu ça, c'est un peu ça. Je pense que ma première mixtape, elle devait faire 25 minutes, ouais. Parce que surtout que tu t'entraînes, tu es en vinyle tu mets Rec sur ton ordi, tu bronches tes platines, tu de faire ton enchaînement, tu le réussis. Le deuxième, tu le rates. Bon, bah, tu recommences et tu... <laughs> 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 voilà, donc euh, voilà comment tout a commencé un peu dans ma chambre en bidouillant. Euh... Et quand vous êtes rencontrés en école son avec euh, les trois copains ouais. et que vous avez monté Club Cheval, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette logique entre vous quatre euh, Qu'est-ce qu'il y a eu cette logique Bah c'était, En fait, c'est qu'on allait, euh, allait creuser dans des styles très différents et, et surtout différents des autres musiciens qu'on pouvait croiser à Lille, qui étaient par exemple, euh, si je te fais un cliché, ça pourrait être un fan de rock, euh, un, fan de... Un, un, un fan de musique très mainstream. Euh, là, moi, quand j'ai rencontré les clubs cheval, il y en avait un qui faisait des mixtapes de baile de funk. C'était le, le rap brésilien. Il euh, y en a un autre qui était passionné par la, par la trance et par la musique, euh, par, la, par la musique euh, hollandaise, euh, dance, euh, des trucs trop chelous. Euh, et le troisième faisait de la musique pour les jeux vidéo de danse. Tu vois tu vois les, les trucs sûr. avec les flèches ouais, ouais. Euh, bah lui il faisait des musiques de jeux vidéo pour la pour, que t'as euh, sur les bornes d'arcade là quand tu vas dans les salles d'arcade et il y a encore lui son nom euh, dans les dans certaines salles d'arcade et tout c'est Can Blaster et il était aussi champion de France de dance de Dance Dance Revolution non. en fait mm -hmm. et donc c'était passionnant parce qu'en fait tu rencontres des gens qui sont passionnés comme toi de musique électronique mais de genre trop chelou donc en fait quand on se met à à être en studio tous ensemble euh, au lieu de courir après un truc qui existe déjà eux ils font ah non non mais en fait on va je te, je te dis ça on avait 18 ans ouais. peut-être 19 et il fait on fait euh, ah non mais nous en fait on va créer la musique du futur c'est notre euh, ce qui est ambitieux euh, prétentieux. Très, très prétentieux de fou tu vois mais non mais il le faut il faut euh... forcément un peu il faut il faut tu, bien sûr tu peux pas te dire je vais sortir de ma chambre en faisant rien tu vois ouais, donc, ouais, euh... ouais. mais c'est ce qui se passe nous on se dit vas-y on sait pas quel style on va faire mais il euh, faut qu'on fasse un truc différent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant six ans. Comment est-ce que cette aventure s'est développée à ce point-là On était déjà dans une époque où la musique se partageait beaucoup, euh, sur Facebook par particulièrement. Euh, et en fait, il y, y a des parisiens qui nous ont, qui nous ont pas mal euh, aidés. Ouais. Euh, je pense par exemple à un mec qui s'appelle Tequila Tex. Ouais. Euh, un mec comme Brodinski, ouais. euh, qui aujourd'hui fait principalement du rap, mais qui était vraiment dans la techno avant. Ouais. Euh, bah, il a commencé un peu à jouer nos morceaux aussi. Euh, et puis chemin faisant. En fait, on a signé en management de chez une boîte qui s'appelle Savoir Faire. Et donc, on se retrouve à Paris avec cette boîte qui s'appelle Savoir Faire, qui a une boîte de management, une boîte de booking. Donc, le booking, c'est pour faire des concerts. Ouais. Quoi. Et euh, le meilleur club de Paris, qui est le Social Club. Donc, en fait, pour nous, c'est genre un outil génial. C'est-à-dire qu'on peut organiser nos soirées, sortir nos morceaux, parce qu'ils ont aussi un label après qui s'appelle Bromance. Ouais. Qui était le label de Gezafelstein, oui. de Brodinski. Sur lequel vous avez sorti vos premiers morceaux Ouais, c'est ça. Le fait de venir à Paris, moi, moi je suis persuadé que chaque artiste en musicien euh, doit venir à Paris à un moment, tu vois. T'es obligé, c'est ici que tout se passe. Euh, ça, ça veut dire qu'on pense à toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu restes à Lille. On va peut-être pas euh, penser à toi pour euh, ah je cherche quelqu'un pour ma première partie ah ouais mais il est à Lille du coup non 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 peut-être qu'il sera pas dispo et puis faut il faut qu'il vienne et non 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 l'organisation si tu es là tu passes au bureau par exemple ah ouais bah il est là ah ouais bah pourquoi ce serait pas lui ah, ça te dirait de faire un remix euh, ça te dirait de faire ma première partie ça te dirait de te joindre à cette tournée euh, et en fait nous ça nous a vachement aidé aussi de, de, de déménager quoi c'est génial de raconter ça parce que ça apporte plein de clés euh, de, de lecture sur ton parcours déjà sur le fait de se cadrer ça hyper important quand tu dis quand es un artiste au début tu es un feu follet quoi tu pars dans tous les sens et déjà il faut réussir à se cadrer savoir où ouais, tu vas okay. et comment tu vas. Moi les, que les, les, les questions les plus euh, les erreurs qu on, qu on, dont on me parle quand je parle à des jeunes artistes c'est euh, par exemple et euh, hey, comment on trouve un manager tu vois et je dis bah as fini tes morceaux non bah non là c'est des démos je sais pas c'est pas fini du tout je fais bah ok étape numéro un tu fais de la musique ensuite étape deux euh, tu réfléchis, est-ce que, est-ce que est, -ce que ton, est -ce que es à l'aise ou est-ce que tu veux aller, quelle scène, euh, tu vois il et et, et y, y a un peu, il quand même, il euh, y a quand même des étapes à suivre. Tu peux pas tout faire à l'envers, quoi. Et particulièrement aujourd'hui, c'était déjà le cas à l'époque où on était foufou aussi et qu'il y avait d'autres manières d'être foufou. Mais les foufous d'aujourd'hui, ça va être euh, faire euh, 30 posts sur Instagram pour essayer de créer une image. Plutôt que de faire de la musique. Après, euh, Club Cheval, ça t'a ouvert artistiquement, ça t'a cadré, ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'a ouais. cadré aussi artistiquement dans la production musicale aussi. Et ça t'a amené à travailler sur différents projets. Tu t'es retrouvé notamment à travailler avec euh, DJ Core ouais. sur des projets de rap et tu as produit des hits pour SCH entre autres fait le tube euh, la partie si sur l'échange ouais. des palouets palouets <laughs> bah, ce hit que tout le monde connaît ben bah, en fait euh, le producteur du morceau il est juste là il s'appelle bah, ouais. mid voilà. comment est ce qu'on on, on, on splitte son cerveau pour réussir à se dire allez cette fois là on fait, on fait pas de l'électro on va essayer de proposer quelque chose de différent et de suffisamment puissant pour que un ça puisse plaire à SCH et deux ça puisse adhérer à un public on fait pas du tout comme ça <laughs> on, fait, on fait pas du tout comme ça c'est faut au contraire ne pas splitter son cerveau. Ok. Parce que tes forces, tes qualités de producteur et de compositeur, euh, elles s'appliquent à plein de styles différents. Et, et c'est ce que DJ Core était venu chercher chez moi en me demandant d'essayer de, de faire des prods pour du rap. Il voulait justement que, que, que mes sons un peu électroniques bizarres, euh, ma vision de la musique, euh, elle, euh, elle apporte quelque chose de neuf euh, euh, aux instruments qu'il voulait entendre donc euh, j'allais pas faire en fait c est, c est, ça aurait été inintéressant que je splitte et que je fasse allez on reprend à zéro euh, qu'est-ce que c'est une 808 et comment on fait <laughs> euh, c'est chiant en fait c'est tout l'inverse il, il faut il faut justement amener que... ton bagage de, de DJ de producteur électro euh, ouais et puis faire euh... ah ouais en fait bah si au lieu de mettre des violons en fait je, je, je prenais le synthé le plus techno du monde euh, ce qui est le cas dans en fait c'est un synthé techno dans 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 Champs Élysées si on, si on écoute et puis que je teste de faire une, une mini mélodie trop bizarre euh, un, peu, un peu chimique, comme no, ça. On a, on a, on a... Une espèce de chat qui miaule bizarre, tu vois, tu vois. Et en fait, ça fait une, une atmosphère hyper glaciale et qui, qui va très bien à SCH, du coup. Donc, euh, voilà. Après, le rap, c'est particulier. Il y a vraiment un, il y a un côté... Euh, il y a un côté euh, un peu coup de chance aussi, parce que ouais. les rapports écoutent énormément énormément de... De prod Donc il faut, ouais, prod, donc il faut vraiment euh, avoir le truc catchy, euh, il faut, 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 faut qu'il y ait un truc. Là j'ai eu cette chance. Euh, et puis, voilà. Il est dur à séduire SCH euh, dans les prods Bah évidemment, il est tellement fort que... C'est pas, pas un rigolo quoi. Et, et des... Tu le sais tout de suite euh, quand ça va marcher Est-ce que tu as un sentiment dans le studio où tu dis... Là, je tiens quelque chose parce que c'était t'est quand même arrivé un paquet de fois. Hein. Euh, Club Cheval, ça a très bien marché. Toi, ta carrière solo, elle a très bien marché. Les prods que t'as fait pour le rappeur, elle a très bien marché. Et quand t'as fait une blague avec Squeezie, <laughs> c'est devenu un tube mondial. Donc, mec, à un moment donné, en fait, euh, <laughs> est-ce que quand même tu te rends compte un peu euh, S'il y a un truc auquel je pense, c'est pourquoi les, les gens ont envie de mettre play sur ce morceau Ça n'existe pas de, de faire un tube. En fait, un tube, il le devient une fois qu'il est sorti. Et une fois que le public se l'a approprié et que ça devient un morceau que les gens adorent. Mais c'est pas que toi tu le fabriques pas le tube. Toi tu fais un morceau de musique, il sort, et après, puis il vit est sa plus vie à toi, il vit sa vie. Et s'il veut devenir un tube, euh, c'est comme si tu fais un enfant, tu vois, quand il naît, euh, tu peux pas savoir avant. Euh, il va devenir Zidane. Est-ce ou... que ça va être un astronaute ou, ouais. ou est-ce que ça va être un un Baba Cool euh, qui fera le tour de la planète avec son baluchon, tu vois, ce qui est cool aussi, tu vois. Mais tu peux pas savoir, tu vois, genre. Euh, euh, jamais j'aurais pu deviner et regarde, et des fois ça prend le temps. Regarde The Sun, ouais. euh, la semaine de la sortie ou le mois de la sortie ou même l'année de la sortie, euh, le public l'a aimé ce morceau, mais c'était très niche, tu vois. C'était dans une niche électro euh, euh, et c'est que 4 ans plus tard qu'il y a eu un TikTok. truc il y a eu Insta, c'est Insta, ouais, Insta. Il y a eu Insta, Insta et il euh, y a eu TikTok, et, eu TikTok, ouais. et en fait qui, qui a aidé, mais ça a pris le temps parce qu'on parce qu ne sait pas en fait. Le lien avec Ed Banger, on va en parler parce que c'est une partie qui est importante. Euh, on, on continue juste sur le rap. Il y avait une question dessus, du coup, qu'est-ce que tu aimes dans la production de son hip-hop que tu ne retrouves pas dans la production de son électro et vice versa En fait, il y a vraiment une, une recherche de nouveautés euh, perpétuellement euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez excitante quand on produit pour le rap. Mais du coup, il y a une créativité plus forte que dans la musique électro euh, Peut-être. Peut-être dans les instrus, il euh, y a peut-être une recherche, euh, en tout cas la recherche du, du twist, et, mais d'un twist peut-être pas dans l'efficacité, mais peut-être dans un truc de charisme de morceau. Tu vois ce que je veux dire Ouais. En fait, il faut que ton instru, elle ait, la, elle ait une sorte de... une âme en plus que celle des autres. Donc faut que, faut que soit, faut, faut il faut qu'il se passe vraiment un truc. Et aujourd'hui, quel est le rappeur avec qui tu aimerais collaborer J'adore Fritz Leon. Ouais. J'adore euh, Guy de Vesbar. Ouais. Euh, voilà ça pourrait, être, ça pourrait être des bons euh, des bons featuring il y a une, une rappeuse qui s'appelle Lala Ace aussi ouais. euh, qui j'aimerais bien faire des trucs aussi et t'as fait un morceau avec Kenny West euh, ouais c'est une assez bonne histoire est-ce ouais. que tu peux nous raconter cette histoire avec Kenny West avec Kenny euh, bah, c'était sur Théophilus London justement en fait euh, euh, bah, c'était à l'époque de Bromance justement euh, Théophilus London voulait qu'on produise des morceaux pour lui enfin qu'on produise son album ouais. des morceaux pour son album et euh, comme ça arrive souvent avec les Américains, euh, ils font le tour des studios. Et nous, il est venu avec nous en studio euh, au, au début, en fait. Euh, donc euh, c'est le moment où il cherche, etc. On lui fait euh, trois morceaux, je crois. Et, euh, et souvent aussi, comme ça se passe avec les Américains, euh, bah, t'imagines bien que le moment, entre le moment où tu fais les premières démos et le moment où l'album est terminé, il se passe un temps fou, donc en fait tu sais jamais si tes morceaux, peut-être ça correspond plus à la DA, ou peut-être le truc disparaît. Des fois, tu sais, des fois même l'album sort et ton morceau n'est pas dedans, et c'est la vie, tu vois, c'est la vie aussi de compositeur pour les autres, tu vois, ton, ton morceau c'est même plus le tien, tu vois, tu le fais vraiment pour quelqu'un d'autre. Et un an plus tard, euh, coup de fil, euh, ah, bah on voudrait euh, sortir le. Enfin, clearé, on appelle ça. C'est-à-dire, ouais. quand, quand l'album la, est terminé, ils appellent tous les producteurs, ils disent Bon, bah voilà. Euh, Pour avoir les droits. Les droits, non, les non, contrats, on signe etc. les contrats, on fait le truc. Voilà. Et, et, bah, et là, en fait, on découvre que sur notre morceau, déjà, il le, pre il le prend. C'est trop cool. C'est trop cool. Et en plus, il euh, y a Kanye qui a en fait euh, pris une partie, fait des drums par-dessus et euh, rappé, quoi. En 2017, il y a la signature chez Headbanger. Ouais. Alors, ça, c'est un, encore une autre étape dans ta construction artistique. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de signer chez Ed Banger alors que tu avais, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà un outil très complet avec euh, Savoir-Faire et Bromance Musique bah, En fait, il faut savoir qu'en 2015-2016, euh, Bromance ferme. Oui. Euh, parce, que, parce que, en fait, je pense qu'ils ont raconté l'histoire qu'ils avaient racontée dans la techno et que chacun fait un peu ça à sa vie. Euh, nous, on a sorti l'album de Club Cheval on a fait le tour de club cheval et on a vu qu'on avait un peu fait le tour de ce qu'on avait raconté aussi nous ouais, c'est la euh... fin cycle, en fait ouais c'est ça tu vois c'est là on s'est rendu compte euh, tous que on avait envie de faire un, un peu on avait, envie de... on avait des choses à raconter en solo qu'on pouvait pas trop raconter avec le groupe parce que faire un groupe c'est aussi beaucoup de concessions bien sûr euh, on se donne de la force mais il y a aussi euh, des choses qu'on met de côté et là euh, bah du coup on a du coup, on a... On, on a tous euh, pris des chemins euh, différents et euh... Et en fait, moi, j'ai fait pendant un an, euh, j'ai fait de la, de la recherche, quoi, en studio. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai cherché comment raconter ce que j'avais à raconter. Donc, euh, ça paraît. Euh ça paraît vague comme ça, mais c'est très concret, c'est-à-dire euh, quels instruments. Moi, j'avais très envie de mettre, pour faire simple, j'avais envie de mélanger les deux styles que, qui me plaisaient depuis toujours, c'est-à-dire, euh, enfin pas depuis toujours, mais un truc qui me plaisait récemment avec ce que j'ai aimé depuis toujours, c'est-à-dire la musique électronique d'un côté et quelque chose d'un peu indie rock euh, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, des guitares, euh, des percussions, euh, des vraies batteries, euh, et comment faire, faire merger ça ensemble. Euh, et pour réussir à faire ça, il bah, faut chercher. C'est-à-dire, il faut être dans un studio et puis tester des trucs, euh, tester des synthés, tester des machines, tester des accords, essayer de composer des chansons, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, ça, ça dure un an euh, chez moi. Euh, J'avais mon studio dans mon salon. Euh, et je passais, voilà, je passais passé un an en caleçon mon... chez moi à faire que ça. Il y a une dépression qui arrive à ce moment-là Bah Non, parce qu'au contraire, moi, je suis, tu te poses beaucoup de questions. Mais c'est aussi un moment que j'attendais parce que j'avais des... j'étais super excité parce que je pouvais faire en musique tout seul. Après ça fait un peu peur hein, parce que avant quand tu as un groupe, quand tu as un label et tout, tu es entouré quoi, je veux ouais. dire il se passe tout le temps des trucs, ouais, vous allez sortir quoi tout le temps, tu es poussé aussi euh, euh, à avancer. Euh, là tu es un peu bon bah OK. Bon tu vois Bon bah ça hein. ton téléphone sonne pas quoi. Euh, donc je me motive et je, je fais un EP de trois titres qui s'appelle All Inclusive. Ouais. Et euh, la question c'est euh, comment je le sors et où je le sors et donc avec qui quelle équipe, qui, quelle équipe. donc ouais. euh, pour faire simple euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours travaillé en, en, en famille quoi tu vois euh, bromance c'était une famille euh, mon management j'étais toujours chez eux avec savoir enfin savoir faire du coup c'était une famille aussi ils m'avaient toujours soutenu ça faisait déjà des années que j'étais chez eux euh, club cheval c'était familial aussi euh, tu vois il y avait vraiment ce truc là et je me suis dit quel est le label français euh, que je kiffe, qui pourrait correspondre à ma musique, qui serait un peu lié au rock d'une certaine manière, et qui a cet esprit familial en fait Pedro Winter. Bah voilà. Donc euh, je suis allé taper à la porte, euh, j'ai fait écouter mes démos, euh, et, euh, et puis euh, il m'a fait patienter un peu, ce qui m'a fait très, vachement bader. Ah ça s'est pas fait facilement Aujourd'hui avec le recul, tu sais, genre en fait... J'ai vraiment ce, ce, ce truc de me dire quand tu regardes une carrière euh, ou des moments de ta vie euh, dans le, du, du passé fait de la perspective tout s'écrase en termes de temps donc tu as l'impression que ah mais c'est facile tu vois quand tu me le racontes là tu sais c'est vraiment euh, la euh, rich, rich, tu vois c'est oui. c'est vraiment euh... alors en fait tu as signé avec un groupe et puis après non 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 après tu signes chez Banger. après tu as l'impression que tout s'enchaîne exactement alors qu'en fait il y a des longues périodes de, de doute de recherche et bah tu vois quand on et quand tu zoomes en fait tu vois c'est vraiment zoomer dans une photo qui a l'air parfaite tu vois tu vois quand tu vas regarder les petits coups de pinceau en fait il y a c'est un peu plus un peu plus compliqué que ça Nuancé, ouais. donc euh, et donc donc en fait je vais chez pour la petite histoire, je vais chez, je vais chez Pedro. Euh, on se connaissait un petit peu. On avait déjà fait quelques, quelques, quelques DJ sets ensemble, etc. Et je lui fais écouter. Et il fait, ah, OK, cool. Et du coup, euh, c'est pour, pourquoi... Tu, où est-ce que tu vas sortir ça <laughs> Tu vois, déjà, trop, trop chiant, trop chiant, tu sais. Tu sais c'est vraiment comme... Euh, si tu fais un date avec une meuf et qu'elle te dit euh, ah mais t'es célibataire mais je pourrais te présenter des copines si tu veux tu vois <laughs> et je fais, ah ouais ok cool tu vois c'est un peu ça donc là il me dit ça et moi je lui dis direct euh, je lui dis bah non en fait euh, moi l'idée c'est que euh, je pensais peut-être que peut, je pourrais les signer chez toi et il me fait ah ok ok bon on va manger <laughs> on mange et puis voilà et je pars tu vois <laughs> ah, et là, je suis trop mal. Et là, tu te dis mais en fait, je vais jamais le sortir là-bas. Euh, donc... Je pense ouais, je pensais que ce, ça, ça le ferait pas trop, donc je sais qu'il a kiffé. Et en fait, il s'est pris, il a pris dix euh, jours de réflexion. Euh, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais je me demande s'il a pas un peu fait écouter à droite à gauche, un peu avoir des avis, prendre ouais. aussi le temps. Il prend, il prend, le temps. Et puis il m'a dit OK, go, vas-y, euh, vas-y euh, vas quoi. Pourquoi la Rolex Domino's Pizza Ah excellent, très drôle. J'ai une bonne histoire aussi là. putain, j'ai bonnes. En fait, vous me lancez sur des très bonnes histoires. Domino's Pizza dans les années 90 euh, aux États-Unis, ils offraient en fait aux meilleurs vendeurs franchisés Domino's une Rolex Domino's. Jobbies. Tu vois, excellent quoi. Tu vois, genre trop bien. Avec donc, il y, y a le logo Domino's dans la Rolex. Et c'est la seule collab euh, de Rolex avec des marques qui étaient fabriquées en Suisse en fait. Euh, et donc, moi, ça fait longtemps que je regardais cet objet que j'ai acheté récemment. Et, euh, et donc, et dans, la Squeezie, euh, dans la vidéo de Squeezie, il, il me fait un petit shout-out pour se foutre un peu de ma gueule. Et, euh, et, et Dominos m'ont contacté, ils m'ont écrit non. en me disant euh, « Est-ce qu'on peut utiliser l'extrait le, le, de Squeezie pour le mettre sur nos réseaux sociaux ?» Parce que ça nous fait marrer et tout. Et j'ai dit « Ok, mais je veux un truc en échange. » Et j'ai dit « En échange, je voudrais une tenue d'équipementier Dominos complet. » Mais non si. Et t'as reçu ça et donc maintenant, tu peux être un vrai Domino guy. J'ai tout. J et en fait, sont... j'ai pantalon avec le logo, j'ai la ceinture, j'ai le t-shirt, j'ai la casquette. Mais est-ce que quand, quand tu commandes une pizza chez Domino, c'est que le livreur arrive, tu te déguises du coup Ce serait ouf. En Pizza boy, tu ouvres la porte et le mec, il voit un mec Domino. Ça, ça, serait... ça serait énorme. Non, mais je peux rentrer dans n'importe quel Domino, se prendre une pizza et partir. <laughs> et ça. Vous imaginez que la carrière artistique de Mid, tout ça. Pour pouvoir aller avoir une pizza gratuite chez Domino's. C'est ça les gars, c'est chacun ses envies, chacun ses ambitions. On va forcément du coup aborder un peu le, le projet qu'il y a eu avec, euh, avec Squeezie. Ouais. Comment ça s'est passé C'est Squeezie qui t'a appelé En fait, on est, on est amis avec, euh, avec Squeezie depuis un petit moment. Ouais. Et, et ça fait. Euh, et on n'avait jamais fait de vidéo ensemble. Moi j'avais fait euh, quelques morceaux pour son album. Ouais. Euh, j'avais fait des morceaux pour. Ça a commencé, j'ai fait des spots, des musiques pour ses spots Yoko, pour sa marque de fringues. Ouais. Et, euh, et en fait, on est devenu amis. Euh, et on s'était toujours dit qu'il fallait qu'on trouve euh, qu'on trouve un truc à faire ensemble en vidéo. Mais on n'avait jamais vraiment trouvé le format parce que moi, je veux toujours faire des trucs liés à la musique. Et donc, quand il a eu quand il a eu cette idée de faire les hits des années 2000, euh, en fait, il m'a dit go. Et en fait, ce qui était vraiment fou, c'est nous, on était sûr que c'était l'autre équipe qui allait gagner. Vraiment euh, Ouais parce que le nôtre il y avait un truc plus foufou quoi tu vois c'était ouais. c'était nimp avec vois. le clavecin au début et tout non mais, mais c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi tu vois c'est vraiment n'importe quoi c'est genre nous on fait tu le vois dans la vidéo ça qui est drôle c'est que l'autre équipe ils sont super studieux ouais. ils font des trucs dès qu'ils touchent le clavier c'est genre dingue ils sont trop chauds c'est le morceau il est excellent d'ailleurs euh... et nous on fait genre des blagues on cherche des idées pour les faire chier oui. on fait des trucs on cher... on cherche des accords comme ça quand on chante c'est trop marrant tu vois et c'est le motif en fait donc en fait à la fin de la vidéo je vous, je, je vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu mais ça change pas grand chose la vidéo est quand même marrante euh, l'équipe adverse gagne c'est Rimika qui leur ouais. décerne le prix du meilleur e 2000 et derrière en fait on vendait les CD chez Lidl pour savoir qui était le vrai gagnant tu vois. et en fait là hors caméra le motif, qui lui est un hitmaker de fou, hein, c'est son métier, quoi. il a vraiment claqué des hits dans tous les sens, il est très très chaud. Hors caméra, il nous dit Les gars, vous vous rendez pas compte Donc lui, il venait de découvrir le morceau, et il dit Vous vous rendez pas compte, votre morceau, en fait, euh, ça va être un truc de ouf. Je le sens là, je, je le sais, tu vois, lui, il fait ça toute la journée. Tu vois. Et on fait ah, ah, merci, tu vois, on pensait que c'était un peu une formule de politesse. Ouais. Et en fait, bah, il avait raison. Et, et puis, il se passe toujours des trucs. Et, et, et je pense, tout comme un morceau comme The Sun prend le temps. Euh, moi, je sais et je pense que le morceau, ça va être un peu plus long que ce qu'on pense. Est-ce qu'avant de se quitter, tu as des regrets Le jour où on m'a proposé de bosser avec Dualipa et que j'ai dit non. C'est vrai Il y a longtemps avec Club Cheval. Ouais. On ah ouais. nous a proposé de produire pour elle avant qu'elle soit euh, Dualipa. Et maintenant qu'elle est Dualipa, c'est la vie, tu vois. Merci beaucoup, Mid, d'être venu passer un, un bout de ce samedi après-midi, d'avoir passé sympa. du temps ici. Merci beaucoup. Rendez-vous tous les samedis à 17h30. Plein de belles choses pour la suite. Merci Mide. beaucoup. Je t'embrasse très fort. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Le format s'appelle La Base. Je m'appelle Mathieu. Et à la semaine prochaine. Salut.